J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Je me suis juste maquillée en fait. J'ai juste mis du fond de teint. C'est très bizarre parce que j'ai pas mis de poudre, etc. Du coup, j'ai un teint très bizarre. Je vais finir de me maquiller parce que c'est bizarre. Alors, je dois aller préparer Mila également. Et on va partir avec la maman d'Alex dans un magasin qu'elle connaît de chaussures, enfin de fringues, etc. Qui est, enfin pas dans ma région, à une demi-heure de chez moi en fait. Et elle connaît très bien, et moi j'y suis jamais allée. Et il faut, voilà, en fait les chaussures que j'ai achetées à Mila il y a 2 ou 3 jours, que vous avez vu dans les vlogs, sont toutes trop petites. Donc je sais plus quoi faire. Il faut vraiment que je la prenne avec moi parce que c'est pas possible, sans essayer je m'en sors pas. Le 25 il arrive trop grand, le 24 il est trop petit, que faire? Je lui coupe un morceau d'orteil ou comment ça marche? Donc voilà, on va essayer de lui trouver des bonnes chaussures là-bas. J'espère qu'on va trouver. Et ensuite, je dois préparer mes affaires pour demain. Alors demain, il faut que je vous explique ce qui se passe. C'est que demain, je vais au BHV Marais, qui est un grand centre commercial, je vais l'appeler comme ça, c'est pas, enfin je sais pas trop comment l'appeler. Et en fait, je vais là-bas pour rencontrer certaines personnes qui ont gagné le concours en fait que j'avais mis en place avec Calor. Pour celles qui ont suivi sur Instagram aussi, j'ai fait des photos pour le BHV qui, voilà, une photo logiquement va être en vitrine ou je sais pas trop, quelque part dans le BHV pour promouvoir en fait un peu la tenue que j'ai choisie. Il n'y a pas que moi, il y a aussi, je me trompe toujours de nom pour cette chaîne YouTube, You Make Me Fashion, je sais plus. Et Safia Vendôme, voilà, on est trois. Et moi je suis un peu la maman du groupe, voilà. J'ai été choisie parce que je suis maman et c'est pour parler un peu de mode, etc. en tant que maman. Et c'est super chouette, donc ça c'est demain, Alex et Mila viennent avec moi. Mais du coup demain je vais avoir pas mal de choses à vous montrer dans le vlog. Bah déjà ma photo, si elle a été imprimée, je sais pas trop ce qu'il en est, mais logiquement oui. Il y a aussi ce fameux event avec Calor. Donc ça va être très chouette, je vais tout vous filmer. Et tout ça c'est présenté par Karine Ferry là-bas. Donc voilà, ça va être plutôt cool demain. J'ai pas mal de choses à vous montrer, ça va être chouette. Et du coup, ben, retour à Paris, mais juste pour une journée. Donc je dois préparer mes affaires pour moi et Mila pour demain tout simplement. Et ensuite, voilà, j'ai beaucoup 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 de choses prévues pour les 15 jours qui arrivent. C'est-à-dire que je fais des super collaborations comme celle-ci avec le BHV Calor. C'est juste un truc de malade, enfin franchement. Truc inespéré pour moi, trentenaire, etc. avec ma vieille tête, enfin franchement. Non mais voilà, je rigole, mais voilà, c'est des collabs de dingue. Je suis tellement contente, c'est des super beaux projets pour moi et pour Mila même, donc je suis vraiment super contente. Mais ça fait énormément de travail, voilà, que ce soit en vidéo, en photo. J'ai beaucoup beaucoup de choses à faire pour ces collaborations et c'est beaucoup beaucoup de travail, voilà. Bref, je me plains pas, je suis vraiment méga contente, mais tout ça pour dire que les semaines à venir vont être bien bien costaud. Sachant que Mila rentre à l'école du coup bah lundi. Donc vous verrez sa rentrée scolaire dans la vidéo de mardi du coup, hein, vu que je filme le lundi et que c'est posté le mardi. Donc vous verrez la rentrée scolaire de Mila bah mardi. J'ai trouvé une paire de chaussures pour Mila, c'est celle-ci. Donc elles sont assez simples, mais au moins elles sont pas trop salissantes et je trouve que ça va autant avec des vêtements foncés, noirs, etc. comme je lui mets, et des vêtements bah, vieux rose comme je lui mets aussi, et au moins c'est pas voilà, c'est pas trop salissant. Elles sont super jolies et c'est à scratch, voilà, on me félicite s'il vous plaît. Et la marque c'est Noël, je connais pas. C'est connu? Ouais, bon, Mamie 4 connaît, donc voilà. Je suis de retour, on va voir mon Alex. Alex qui bosse sans cesse. Et du courage Alex. Ça va? Impeccable. Waouh, c'est fini. Enfin c'est fini, vous me comprenez les amis. Super, ça rend trop bien. Ça rend mieux. Ah, ça rend hyper bien. Franchement, ça fait plaisir. Ça a l'air bouché des trous du sol. Hein. Ouais. Non, c'est mamie. Mamie est de retour. Tu as peur quand la voiture elle approche trop près, c'est ça? Bah oui. Bon, avant que Mamie Cat ne reparte dans la Creuse, on va aller se faire un petit Welsh à mon avis, parce que là-bas elle en a pas. Non, elle
Elle a pas ça. Elle a pas les trucs tout gras, tout. Enfin, il y en a d'autres dans la Creuse, mais les Welsh, non. Et mais moi, avant, faut que je reperce un trou dans ma ceinture. Parce que je me rends compte qu'avec le déménagement, le travail, etc. Et le fait de ne plus avoir vraiment de cuisine. Donc en gros, eh ben, ma ceinture ne va plus. Faut que je reperce un trou. Je sais pas, j'ai dû perdre au moins 3 kilos pour perdre comme ça deux tailles de pantalon. Ouais, bon. C'est la vie, hein. Tant mieux. Je voulais perdre un peu de bide. En fait, le mec, en bouffant des Welsh et en buvant des bières, il arrive à perdre 3 kilos. C'est la fête. C'est bien, c'est un bon régime et je vais écrire un livre. Je vais ouvrir une application Alex Inchep, comment perdre du poids. Bouffer des Welsh et buvez de la bière. Alors, j'ai reçu quelque chose que je vous présenterai bientôt dans un haul, mais il faut vraiment que je vous montre. Même pas dans un haul. Je vous montrerai prochainement avec le reste de ma commande. Ça déchire. Franchement, on dirait des vraies bougies. C'est, vous savez, les fausses bougies, elles sont réellement en cire il me semble, mais c'est des bougies à pile. C'est fou. Avec une télécommande. Donc je vous la montre un peu de loin pour que vous voyez un peu l'effet que ça fait. Du coup il y a la flamme qui bouge comme une vraie bougie. C'est vraiment, en vidéo ça se voit pas bien, mais en réalité on dirait vraiment une vraie bougie. Mais en fait pas du tout. Donc ça c'est génial parce qu'en fait je peux les allumer chez moi sans souci. Alors qu'une vraie, ben, je peux pas avec Mila, c'est pas possible quoi. Franchement, c'est trop beau. Ah ben Mamika t'a amené la deuxième. C'est vraiment trop beau quoi. Super joli. Et ça fait en plus, ça fait des effets sur le mur. J'adore. Mamika est en retraite aujourd'hui. Parce que c'est... C'était la rentrée, enfin... C'était quand? Cette semaine? 1er ouais. Septembre. Ouais, il y en a plein. 1er septembre, voilà. Mamika est en retraite. Elle va pouvoir rien faire de ses journées. Oh, ça s'éteint. Derrick, leur passage, déchiffrer des lettres, c'est cela. La sieste, les films en noir et blanc. Ouais, alors j'ai été détourné. Tu as été détourné du droit chemin. En gros, Rox m'a dit, ouais, non, t'as encore des kilos à perdre, on va manger des sushis. Parce n'importe que, quoi. Ça va pas le faire, il faut que tu maigrisses encore. C'est ça que tu m'as dit. Hein. Ta mère avait envie de plus manger des sushis que moi encore. Donc elle en profite, elle n'a pas de trucs de la sushi. Il n'y a pas de sushis. Il n'y a pas de sushis en Creuse? Oh, ils sont pas terribles. Ils sont pas terribles. Il y en a à Limoges. C'est ceux de chez Picard? Et on a une fille qui s'est transformée en poule. Je parle pas trop fort parce que Mila est au dodo, il est assez tard parce qu'en fait je devais finir des vidéos et voilà, il est un petit peu tard. Alex lui il est parti se coucher, moi je vais aller le rejoindre parce que franchement je suis HS, je suis en train de finir de préparer les valises parce que les valises c'est le truc que je fais toujours en dernière minute. Et du coup ouais, je prends quand même une valise avec des affaires de rechange pour demain parce que demain on est toute la journée au BHV donc... Voilà, il faut que je prenne des rechanges pour Mila. Et puis voilà, demain ça va être je pense un chouette vlog à voir pour vous, j'espère. Je vais en tout cas essayer de filmer un maximum de choses. Je pense que ça va être assez intéressant, voilà. À part ça, Alex il a avancé mais un truc de malade dans la chambre. Enfin, franchement c'est hallucinant quoi. Tout le plafond est fait, c'était le truc le plus long. Enfin toute l'électricité, tout le plafond sont finis quoi. C'était le... Enfin sont finis. Vous m'avez compris, c'était vraiment un truc méga long. Du coup là ça va aller, le reste ça va aller beaucoup plus vite. Donc la chambre de Mila franchement je pense que ça va le faire, voilà. Sur ce petit vlog, eh bien moi je vais vous laisser et puis je vais aller me débarbouiller, finir cette valise. Et puis moi je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous.